On vient de délibérer les résultats du premier tour. On avait un jury qui comptait 86 candidats, dont un absent, donc il y a 85 qui ont composé. On a eu 7 admis au premier tour, avec 2 mentions A bien, et 30 qui sont admissibles pour suivre les épreuves de second groupe. Donc ça nous fait un pourcentage de 43,52%. Bon, c'est des résultats au vu des tendances nationales qui peuvent être des résultats acceptables. Parce que tout le temps, si on regarde les années passées, le bac, c'est les résultats, la moyenne nationale, c'est moins de 50%. Donc nous, si nous retrouvons avec plus de 43%, et nous sommes dans un établissement, n'est-ce pas, nouveau, c'est-à-dire c'est une nouvelle création. Donc c'est quelque chose qui est apprécié positivement. Mais on demandera toujours aux gens de multiplier les efforts. D'autant plus que cette année, les épreuves ont été jugées abordable, donc c'était accessible.